Alors l'objectif de cette exposition dans le cadre de cette fête des moissons de Bonne-Espérance, c'est aussi d'expliquer au grand public d'où vient l'agriculture, comment elle s'est construite et où elle va, où elle est aujourd'hui. Donc ça se fait à travers des panneaux comme celui-ci qui rappellent un peu au Moyen-Âge les moyens qui étaient vraiment que manuels pour pouvoir travailler la terre. Et on voit aussi qu'à cette époque-là, pour pouvoir nourrir davantage la population, il n'y avait qu'une seule solution, déboiser. Et à la Révolution française, il n'y avait pratiquement plus de forêt en France. Depuis, grâce à l'organisation, les sciences, l'agriculture, on peut produire davantage sur un hectare de terre. Et donc, on a pu remultiplier le nombre de forêts, on a pu le doubler. Alors, petit détail de l'histoire, à l'époque, toute l'énergie était naturelle, renouvelable, et donc il fallait un tiers des surfaces pour fabriquer ce qu'on appelle du biocarburant, qui servait en fait à nourrir les chevaux, qui était l'outil de locomotion. Remontons le temps dans cette exposition, on le fait aussi à travers des gerbes de blé d'anciennes variétés qui continuent à être cultivées en petites parcelles pour cette exposition, tant au Cara à Hatte qu'à Jeanblou. Et on voit ici des vieilles variétés du 19e siècle, gros bleu et rouge de Bordeaux, qui sont des variétés en sélection massale qui ont permis donc d'apporter des résistances aux maladies. La rouille pour rouge de Bordeaux. Et donc Gros Bleu qui a été très cultivé en France au milieu du 19e siècle. Voilà, donc ça c'est un piquet pour faucher le blé à la main. Donc je vais vous montrer comment déjà on peut l'affûter. Donc j'ai une petite enclume ici. Et le geste, ça sera avec le marteau, de tirer le fer vers l'extérieur. Une fois qu'on a rebattu le fer, après il faut l'affûter, c'est-à-dire avec une pierre. Exemple du travail de sélection qui a été réalisé en Belgique il y a une cinquantaine d'années, c'est la variété Kama. Kama, les anciens s'en souviennent, a occupé à peu près l'essentiel de toutes les surfaces en froment en Wallonie, donc vers 1970, il y a une cinquantaine d'années. Kama était le fils de Capel et de professeur Marchal, professeur à Jeanblou. Alors on l'oublie trop souvent, mais des famines dues aux maladies, au parasitisme, et notamment au mildiou qu'on retrouve cette année, eh bien, au fin du 19e, ça a causé des ravages absolument invraisemblables. Il y a eu des millions de morts, 1 million en Silésie, 1 million en Irlande, 2 millions d'Irlandais immigrés, parce que 3 années de suite, il y a eu des épidémies de mildiou en pommes de terre. Heureusement, on a trouvé un premier produit, la bouillie bordelaise, qui existe toujours aujourd'hui. D'autres produits plus efficaces sont arrivés par la suite. Alors le grand public s'imagine qu'on met toujours de plus en plus d'engrais dans les champs. C'est complètement faux. L'engrais, on en a très peu mis jusqu'à la guerre 40, puis les quantités ont augmenté pendant une génération. Ensuite, pour l'azote, on est parvenu à faire toujours mieux avec la même quantité et on a réduit les apports de phosphore et de potasse. On croit que les sols sont morts. C'est tout à fait faux, on n'a jamais aussi bien cultivé avec de l'organique qu'aujourd'hui. Alors la loi fondamentale en matière de fertilisation, c'est d'assurer un équilibre entre tous les éléments dont les plantes ont besoin. Et au 19e siècle, on a compris ce
qu'on appelle la loi du minimum. C'est toujours, comme dans un baquet, la planche qui est la plus basse, qui entraîne le rendement vers le bas. Donc ce petit tonneau permet d'expliciter, d'illustrer cette loi fondamentale de la fertilisation, de la nutrition des plantes.